Bonjour et bienvenue dans Coq en stock. Aujourd'hui, nous vous proposons un numéro exceptionnel consacré à Yssingeau et son passé. Avec la participation des résidents du centre hospitalier Jacques Barrault, ainsi que la contribution de plusieurs Yssingelais et de passionnés du patrimoine altiligérien, nous allons vous faire découvrir ou redécouvrir des moments de vie qui ont marqué l'histoire de notre commune et de ses alentours. Vous pourrez également entendre des anecdotes passionnantes de nos invités qui se sont passées un petit peu plus loin d'Yssingeau. Alors, installez-vous confortablement et laissez-vous emporter dans le passé de la Cité des Cinq Coqs. Pour débuter ce reportage, revenons sur un événement marquant en France et notamment à Yssingeau. La loi du 11 décembre 1905 demandait que tous les biens de l'Église soient inventoriés et transférés à une association laïque ou au domaine. Cette séparation de l'Église et de l'État provoque la colère de nombreux catholiques. Manifestations, pétitions, les habitants d'Yssingeau vont même jusqu'à barricader les portes de l'église et déposer à l'intérieur des essaims d'abeilles. Au matin du 14 février 1906, au son des cloches, les fidèles s'étaient pressés de remplir l'église. Puis ce fut l'arrivée du sous-préfet, accompagné du receveur, M. Fauchery. Tous les deux étaient escortés par un lieutenant et 6 gendarmes. Même si la discussion entre les représentants de la République et le curé, le père Benoît Chevalier, se passa calmement, le curé finit par prendre la parole sous les applaudissements et lut un texte de protestation. Monsieur Fauchery s'avança pour pénétrer dans l'église, mais il en fut empêché par messieurs Desfranc et Cottier. Le receveur n'insista pas et déclara qu'il reviendrait le 20 février. 6 jours plus tard, les gendarmes, avec le soutien des renforts militaires, dégagèrent la place devant l'église. Le maire de l'époque, M. Lagrevol, refusa d'apporter son aide aux forces de l'ordre et démissionna. Personne ne voulut se porter volontaire pour ouvrir la porte. Le sous-préfet décida alors de faire appel à un repris de justice qui purgeait une peine de prison, un dénommé Moquet. Il parvint à briser le loquet à coups de hache, mais les assiégeants trouvèrent devant eux un enchevêtrement incroyable de chaises, formant une épaisse et solide barricade. Afin de la démolir, il fallut recourir à des moyens primitifs mais efficaces où soldats et gendarmes s'armèrent de longues poutres manœuvrées en cadence. Ce n'est que vers 4 heures de l'après-midi que le passage fut ouvert. Les gendarmes durent encore faire face aux paroissiens massés dans l'église, lesquels furent arrêtés un à un. Ce sont maintenant nos invités qui vont vous raconter des passages de leur vie. Mélina Sabatier. Et vous êtes née en quelle année? En 1921. D'accord. Vous êtes originaire de Saint-Jean? Oui. Moi, je n'étais pas originaire de Saint-Jean, j'étais originaire de Saint-Vincent, entre la voûte et Beauvais. Et puis quand j'ai connu mon mari, alors je suis venue à Saint-Jean. D'accord. Vous aviez des frères et sœurs? Non, j'étais fille unique. Eh bien, je suis née le 1er janvier 1939, donc pendant la guerre. Mon nom m'appelle Anna Chevalier. Je suis née, oui, à la crèche, à Chaussin, dans la maison de mon papa. Il est né 4 enfants, dont moi, un frère et une dame qui avait 2 enfants. Je m'appelle Elena, et nom de jeune fille River, et nom d'épouse Agute. Et donc vous êtes originaire d'Espagne? Voilà. Vous êtes née à Catalogne, à Aragon plutôt, il faut quand même dire les choses. Aragon, à 350 km de Barcelone à peu près.
Vous êtes venue en France à quel âge? J'avais 10 ans. Oui, eh bien, on est arrivé par la route, comme je vous disais, à pied jusqu'à la frontière. La frontière, on l'a pris en charge pour aller donc à Les Rousses. Et Les Rousses à Langogne. À Langogne, une fois qu'on est resté peut-être un mois dans un camp de cabane, quoi. Et c'est les Français qui nous nourrissaient à ce moment-là, puisqu'on ne pouvait pas travailler. Mais puis après, chacun est allé s'installer dans des petites maisons qu'on nous prêtait. Et chacun a choisi un petit peu le travail qu'il trouvait éventuellement. Et puis, petit à petit, nos ambitions étaient plus que ce qu'on nous donnait. Et chacun a choisi. J'ai mes frères qui étaient quand même... C'est ce qu'ils ont étudié en Espagne. Et qu'ils ont le bac espagnol. Ils avaient quand même une ouverture beaucoup plus importante qu'un simple réfugié, si vous voulez, par là. Donc, ils ont évolué assez haut. Et moi, j'ai attendu que je sois mariée pour venir à Saint-Jean. Gaëtan François. Oui. Donc, vous êtes né. Au puits, pupille de la nation. Je suis Madame Gallo. Je suis à la maison de retraite depuis 4 ans. Avant, j'étais dans un petit village qu'on appelle Sorbier, à côté de Saint-Étienne, où je suis né et j'ai élevé ma famille. Voilà. Mon nom, c'est Madame Souchon, mais mon nom de jeune fille, c'est Merle. Voilà. Et je suis née le mois de janvier 1924. Eh bien, moi, je suis Jeannine Laurent, un nom de la Haute-Loire. Mais mon nom de fille, c'est Ploton. Je m'appelle Madame Sabine, mais née Galet. Mm-hmm. Je suis née au Pertuis. C'est à côté des Saint-Chaud. En quelle année? En 26. Maria Ptiot, je suis originaire de la Loire. Marie-Léonie, mais plus souvent dire, on m'appelle plus souvent Ninette que Marie-Léonie. Ça se passait quand vous étiez toute petite? Ah, c'est les plus belles années de ma vie, je me souviens. On jouait tellement avec les voisines. C'était vraiment, on avait trois, j'étais deux, des deux voisines. Alors là, on passait notre vie ensemble. C'est malheureusement, on n'allait pas à l'école ensemble. Moi, j'allais à l'école à Saint-Maurice et elles sont restées dans le village. Alors je faisais le trajet toute seule. Et l'hiver, dans la neige, vous savez, ça faisait 3 kilomètres qu'il fallait faire à pied, tous les jours. Matin et soir. Vous n'étiez pas grand en plus. Ah non, j'avais 4 ans, 5 ans, 6 ans. Toute seule? Ah ben oui. Mais on n'avait pas le choix. À la nuit vous... enfin, en plus, c'était nuit? Non, non, à 4 heures, c'était pas nuit. Puis il y avait le laitier qui descendait bien souvent. J'essayais de amener ses... Il me descendait. Ah. Dans sa carriole, il me disait, monte dans la carriole, tu n'auras pas chaud. Tu n'auras pas plus chaud, mais tu auras les pieds au sec. Et c'était vrai, j'avais les pieds au sec dans la carriole. Et oui.
Ah, j'adorais l'école. Ah, l'école, c'était ma vie. Ouais. Ah, oui. À des moments, quand le papa, le matin, là, si on rentrait, mettons, à 8 heures, il me disait, ben, aujourd'hui, tu ne vas pas à l'école parce qu'il faut aider à la maison. Je pleurais jusqu'à l'heure qu'il y avait la rentrée. Ah, ouais. Ah, oui. Je pleurais jusqu'à ce que ce soit l'heure. Parce que j'étais trop bien à l'école. Mais quand on était petit, il y avait un instituteur ou une institutrice qui nous apprenait. Et puis qui corrigeait les caries après. Et voilà. On jouait à la corde à sauter. Les garçons jouaient au ballon. Et à la marelle ? Et bien sûr, ah oui, tiens, j'ai oublié. À la marelle ? À l'école, j'y allais à pied, 2,5 km. Derrière, à l'intérieur. Avec des sabots. Et des fois, il fallait faire demi-tour, il y avait trop de neige. On payait pas bien, parce que des soirs, quand on avait fini le travail, on soupait. Et puis, mon père jouait aux cartes, on avait un domestique et un berger, parce qu'on avait des moutons. Et il jouait aux cartes les soirs, des fois, comme ça, entre eux. Et nous, quand on avait fait la vaisselle, qu'on avait fini le ménage, on partait se coucher. Je suis ce qu'on appelle en Haute-Loire un revers du joug. C'est-à-dire que mes parents maman avait 45 ans et mon père en avait pas loin de 50 quand je suis née. Avec 11 ans de différence avec mon frère et ma sœur aînée. Quand j'étais petite, comme j'étais l'aînée de toute cette fratrie, j'aidais beaucoup ma maman, quoi, voilà. Alors que j'avais une sœur qui avait juste un an avec moi, elle participait mieux à l'agriculture, quoi, à aider mon papa, quoi, voilà. Donc, comme on n'était que des filles, et pas de garçons. Vous faisiez les tâches ménagères. Voilà. Je suis rentré aux AUV, atelier mécanique du blé. Puis j'y ai travaillé 22 ans. Après, ils nous ont licenciés. J'ai resté 3 mois au chômage. Je suis rentré à la ville, employé municipal. J'ai travaillé 13 ans à la ville. D'accord. Puis j'ai eu la retraite. Et voilà. Et puis voilà, je suis restée quelques temps dans la couture. J'ai fait un tas de petits métiers de couture. Je suis fait dans une caserne où on faisait des costumes de gendarmes. Alors je piquais la machine avec des draps de gendarmes. J'ai fait beaucoup de vareuses. À ce moment-là, les gendarmes avaient des bottes avec des... Ils avaient les culottes de cheval. Bouffantes, oui. Oui, avec des gros draps.
Eh bien, après l'école, après, je suis restée chez mes parents. Et puis, j'avais une cousine qui travaillait à l'usine Girodet. Donc, après 20 ans, elle me dit, est-ce que tu veux venir travailler à l'usine Girodet? Ben oui, pourquoi pas. Alors, j'ai pris le cas. Je suis venue, c'était chez ma tante. Elle me dit, où tu vas? Mais j'ai dit, votre fille m'a dit de venir. Alors, je viens. Puis, j'ai travaillé pendant 3 ans à l'usine Girodet. À 5 heures tous les matins, 5 heures pour faire traîner les vaches à la main, traîner les vaches à la main, nettoyer, et puis après elle a lâché les vaches à 8h30 au champ, et voilà, et elle allait les chercher le soir. Ouais. Le meilleur d'aller traire les vaches, je m'occupais des cochons après. Alors, j'en aviez pas peur? Non. Je faisais que la chenière. Un de mes frères venait m'aider pour écraser la chenière pour donner aux cochons. Et vous faisiez des foins Bien oui. Ouais, c'était pénible. Mais il y avait une chose que j'avais horreur, c'était faire un char de foin. J'aimais mieux le donner. Faire passer le foin dans le char que faire le char. Ah, j'avais oui. Horreur ça. Puis comme je dis, à ce temps-là, on ne portait pas de culotte. Ah. Maintenant, avec un pantalon, quand même, ce serait pas... C'est plus facile. Oui, c'est ce serait mieux. On coupait à la faux, on faisait des tas, et après, il y avait quelqu'un qui, avec un lien de paille, retenait tout ça pour que ça s'écarte pas, quoi. Et on faisait même des... On appelait ça des paillets, mais il y avait un autre nom, des tas de paille pour après la moisson, ou qu'on venait chercher après. Mais ça, moi, je l'ai pas connu. On avait déjà des moissonneuses... pas des moissonneuses batteuses, mais des moissonneuses lieuses. Voilà. Mes frères ou mon père, ils fauchaient le matin, puis on allait tourner le foin, l'herbe, enfin, pour la faire sécher. Puis on était en boule, puis la machine venait derrière pour la bosseler. Et avant, il n'y avait pas de bosseleuse. On rentrait le foin comme ça en vrac. Ah ben le lait, on le vendait. Et on portait le lait chez les gens. On l'emportait chez les pharmaciens, chez les cafetiers et chez le docteur Boncompain à l'époque. Oui. Et puis il y avait chez le boucher aussi, qui s'appelait Monsieur Escoffier, qui habitait à la rue Saint-Antoine. Oui. On avait une petite ferme, on avait 4 vaches. Et je m'occupais des vaches dans la journée si mon mari n'était pas là. Mais il travaillait au collège agricole, lui. Une fois marié
et avec mes enfants. L'aîné avait 7 ans et l'autre quelques mois. On cherchait une boucherie, puisque mon mari était boucher, une boucherie en gérance, parce qu'on n'avait pas les moyens de se payer le fonds. Et comme on est de l'ancienne école, que si on peut acheter, on achète, on ne fait pas d'emprunt. Il faut payer de suite. Alors, on en a trouvé une à Issenjoux. On a pris une gérance de 3 ans. Et au bout de 3 ans, on a dit à la propriétaire que si elle voulait nous le vendre, on le lui achetait, sinon on allait chercher ailleurs. Oui, c'était mes beaux-parents qui avaient ce magasin. Ouais. Et puis, quand on s'est mariée, c'était ma belle-sœur qui l'avait fait un petit moment. Mais puis, elle s'est mariée avec un boucher. Alors, elle a dit à son frère, si tu voulais prendre l'épicerie, moi maintenant, elle tenait les deux magasins, elle ne pouvait pas. Alors, c'est là, quand il est revenu du régiment, qu'il a pris l'épicerie, il l'a fait 10 ans tout seul. D'accord. Quand il est revenu du régiment, jusqu'à l'âge de 32 ans, il avait 32 ans quand on s'est mariés. Et moi, j'en avais 22. Ah, vous aviez 10 ans d'écart. On avait 10 ans d'écart, oui. Mon mari allait sur place acheter les veaux dans les fermes. Oui. Il n'y a que les plus grosses bêtes qu'on allait chez le marchand, mais autrement le reste, on allait directement à la ferme. Oui. J'ai jamais vu tuer une bête, entre parenthèses. Hein. Oui. À part le lapin. Il s'occupait du métrage des bois. Après, il allait dans les bois, mesurer les bois, et puis il fallait que moi je fasse les carnets de cubage, les calculer. Alors je le faisais le soir quand on allait fermer le magasin. Je faisais mes carnets de cubage jusqu'à minuit, souvent. Et lui, il allait se reposer un peu pour partir au marché à 1h du matin. Et puis il allait faire le marché à Saint-Étienne et à Lyon, en fruits et légumes. Un jour, j'ai reçu une lettre. Enfin, c'est ma mère qui m'a donné la lettre, parce que ça venait d'une tante religieuse, ma mère, une tante à ma mère qui était religieuse, avec la mère de mon mari, elle se connaissait, et c'est elle qui a fait passer la lettre. Ma mère m'a donné la lettre, j'ai bien été obligée de la lire. J'ai lu la lettre, et puis, ouais. Il m'a donné, dit qu'il pensait me voir tel jour, à telle heure. Donc, et vous ne connaissez pas du tout non plus? Non. Parce qu'il lui était quand même Saint-Juin-du-Pinay, moi j'étais de la commune d'Issenjoux. Donc il vous a écrit une lettre, oui. Une parfaite inconnue, et vous avez reçu une lettre parfaite inconnue. Mais il m'avait repéré parce que ses parents étaient propriétaires d'une maison dans le village. Mmh. Alors il est venu, c'est comme ça qu'il m'avait connu. Ah, vous lui avez tapé dans l'œil. Oui. C'est génial. Oui. J'ai répondu que d'accord, il voulait me voir. Mais j'ai accepté de le voir. Et puis ça a marché. Il vous a plu. Et oui. Et oui. Il s'appelait comment? Michel. D'accord, donc le coup de foudre. Et, oui, mais c'est vrai ça. Quand vraiment je l'ai connu, ça a été... Je l'ai apprécié. Oui. Il venait chez moi, mais on recevait à la maison. Hein. Il ne fallait pas aller les courir. Le papa y regardait alors. Il avait un œil sur tout. Oui. Et je me suis marié à 22 ans et demi.
C'est une singesse que vous avez épousée? Oui. Vous êtes tombé amoureux, comment ça s'est passé? Regardant les vaches. Ardouille, comme il y a un kilomètre là. Vous l'avez vu, vous êtes tombé amoureux? Oui, ça fait 14 mois, on s'est marié. Et la première année, je ne trouvais pas des pièces ces saisons. J'ai resté avec mes beaux-parents. Un an d'abord. Puis là, je suis venu habiter au casino, au Foral. Là. Vous êtes rencontrés comment avec votre mari? On s'est rencontrés bizarrement. Il avait de la famille qui habitait à côté de mes parents. Alors il a une de ses tantes un jour qui me dit, j'ai un petit neveu, tu voudrais pas le connaître? Moi je dis pourquoi pas. Quand on est jeune, vous savez, on ne réfléchit pas. J'avais 21 ans alors. Alors elle m'a dit, tu sais pas, on ira à Saint-Jean. Mes parents faisaient de... Alors comment on l'appelle? Du colza. Alors on faisait faire l'huile de colza à Saint-Jean. Il m'a dit, on ira faire l'huile, je demanderai à tes parents, on ira faire l'huile et je te ferai connaître, on ira se faire payer le café. Parce qu'il avait son magasin, puis il avait un petit café, un petit bistrot, il avait 3 tables. Alors on y est allé, et puis elle m'a dit, tu sais pas, c'est vu comme ça, mais enfin, ça a mieux se connaître, quoi. Quand il m'a dit, qu'est-ce que tu en penses? Je dis, il en vaut bien un autre. Il m'a dit, tu sais pas, on va l'inviter à Saint-Vincent, je vais l'inviter pour manger avec mes enfants et tu diras à ta maman qu'elle nous paye le café. Mais c'est que pour dire à mes parents, c'était assez... C'est que c'était pas comme maintenant, les parents, c'était sévère. Hein. Et vous étiez fille unique? Eh oui. Alors je sais que mais je me rappelle plus bien comment je leur l'ai dit. Alors il est venu boire le café et puis le soir, on faisait partie d'un patronage. On jouait des petites séances. Alors il fallait que j'aille m'exercer après-midi. Alors il m'a dit, mais je vais vous accompagner. Je dis oui. Il m'a accompagné. Lui, il est parti parce qu'il prenait la galoche. Vous savez, ce temps-là, il y avait la galoche. Oui, il y avait le chemin de la galoche. Oui, il y avait le chemin de la galoche. Il allait prendre son train. Et moi, je suis allé m'exercer pour la séance. Alors on s'est laissé comme ça. Mais ça a été le coup de foudre parce qu'on ne s'est jamais laissé, ça a été fini. Ah, c'est bon. Il m'a dit, tu viendras, on ne se tutoyait pas, on se voyait, on viendrait à Saint-Jean, me voir à Saint-Jean, j'ai dit oui, peut-être. Il m'a dit, on avait ni le téléphone ni rien, il fallait comment. Alors je ne sais pas comment, je dois avoir téléphoné à la boucherie qui était à côté de lui, qui l'a appelé, alors je lui ai dit que je monterais, je vais le voir. Et on est allé manger chez sa sœur. Je me rappelle que ça m'avait été dur. Je connaissais personne. Alors ça m'a été un petit peu dur. Puis ça a été fini, on ne s'est jamais laissé. On se voyait une fois par semaine, les dimanches. Je ne sais pas comment on faisait. Vous preniez le train? On allait prendre le train à la voûte. Parce que Saint-Vincent à la voûte, il y avait quand même 4 km, je crois. Alors il fallait aller prendre le train à la voûte. Pour arriver à Saint-Jean. Et puis lui, il devait descendre peut-être en vélo, je ne me rappelle plus bien. Et ça a été fini. Alors il a dit à mes parents, je sais qu'il est venu, qu'il a dit à mes parents que ce n'était pas pour l'amusement, qu'il voulait se marier le plus vite possible, parce qu'il avait son magasin et il était tout seul. Alors ça s'est fait comme ça. Alors on s'est connus pour la Toussaint en 1943. Oui. Oui, pour la Toussaint, en 42, et on s'est marié en 43, on s'est connu pour la Toussaint en 42, et on s'est marié au mois d'avril en 43. Ça a été vite. On s'est connu pendant 5-6 mois, c'est tout. Et je suis venue habiter à Saint-Jean. Et même mon mari, du fait qu'il avait un bac, il a passé des concours et il a réussi technicien agricole.
Et alors, on l'a catapulté à Essaing-Jean. Nous avions décidé, mais nos parents aussi, tant qu'il n'avait pas de boulot, on ne se mariait pas. Mm-hmm. Mais il a fait 50 km, il a été nommé à Essaing-Jean. Mm-hmm. Mais il n'y avait pas d'école. Il y avait des élèves, il y avait un professeur, mais il n'y avait pas d'école. C'est la mairie qui lui a payé, qui lui a donné des salles dans la mairie. Il faisait la classe dans la salle des mariages. D'accord. Et moi j'ai quitté, et on s'est mariés, et j'ai quitté Saint-Étienne. On a fait 50 km chacun pour se retrouver au milieu à Essaing-Jean. J'avais 3 frères, oui, et 3 sœurs, et moi, ça faisait 7. D'accord. Oui. Et vous étiez la plus jeune, la plus vieille? J'étais l'aînée des filles. D'accord. Et la seconde de la famille. D'accord. C'était un garçon le premier, et moi, j'étais la deuxième. J'ai perdu mon père le 3 juillet 57, mon père d'Ausier. Et bien, il dit, François, quand tu viendras du régiment, tu veux faire le paysan, je te donnerai 2 vaches. Et il est mort le 3 juillet 57. Je suis venu par avion et j'étais enterré le jour avant. D'accord. Ouais. Vous étiez proche de... Et celui-là, il m'a appris à travailler. Attention. Mais que ce soit le dimanche, son fils ou moi, le portefeuille sur la table, il mettait toujours là, quoi. Ah oui, il était reconnaissant. Mais il venait travailler. Hein. Eh oui, comme ça. On n'avait pas l'électricité. D'accord. Non. Donc tout à la bougie? Même pas la bougie et la lampe à pétrole. C'était une lampe avec un réservoir, une mèche, et on y mettait du pétrole dedans, pour la cuisine. Et pour l'écurie, c'était ce qu'on appelait un petit crésieux. Donc c'était une petite lampe qu'on y mettait aussi du pétrole. D'accord. Oui. C'est des vieilles photos que ça doit être la préfecture, la sous-préfecture. Là, pour tous les papiers qu'on avait nécessaires, il fallait passer par là. D'accord. Pour notre demande de nationalité française. Oui, seulement, quand on a pris la nationalité française, on nous a demandé notre nom. Alors mon mari a dit Agut. Alors là, en France, ils ont mis un T au lieu d'un D au lieu d'un T. Donc votre nom a changé. Notre était Agut avec un D en Espagne et Agut avec un T en France. Et au décès de mon mari, avec le certificat de naissance, ouais. Ça a été Mili Melo. On était loin de la machine à laver. Alors, on allait au lavoir et on passait des bons moments. Notre seule satisfaction, c'est d'être rentré en France, les mains dans les poches, et pouvoir donner des études à mes enfants, et d'avoir ma maison à moi, achetée avec ma sueur de mon front, comme on dit, et puis tout le reste,
Donc, c'est déjà beaucoup. Comme disait une de mes belles-filles, on change de mari, mais on garde la belle-mère. C'était gentil. Vous ne savez peut-être pas qu'on a bombardé Saint-Étienne. La gare de Château-Creux a été rasée, le quartier de Saint-François a été rasé. Il y avait un mariage ce jour-là, ils sont tous morts. Moi, j'ai surtout le souvenir de... Ici, Londres, les trois coups de la guerre, tout ça, ça m'a beaucoup marqué. J'avais entre 10 et 13 ans. À ce moment-là, c'était au moment où presque il y avait eu on faisait des machins à gaz. Ça faisait je ne sais pas comment vous expliquer. On travaillait pour une maison qui faisait des bonnettes à gaz. C'était pour la guerre, pour ainsi dire, de 40, sans doute. Et oui, c'était pour la guerre de 40. 38-40. Alors on les portait à Boré. D'accord. Parce que la maison était à Boré. On faisait ça pour se faire quelques sous pour nous-mêmes, quoi. Je suis mariée en 43. Et à ce moment-là, il y avait bien peu, on a bien vu les Allemands, je les ai vus à la porte du magasin. Ils étaient couchés à la porte du magasin, ils cherchaient des hommes, je ne me rappelle plus comment ils s'appelaient. Ils les avaient récupérés. Mon mari était... Il n'avait pas été... S'il avait été mobilisé pour la guerre de 38, mais on n'était pas mariés à ce moment, je ne le connaissais pas. Il avait été... mobilisé, il était à Nice, et puis quand il devait partir pour le combattre, quoi, et ils ont signé l'armistice, ça fait qu'il n'est pas parti. Vous avez fait votre communion? Ah oui, bien sûr. Vous vous en rappelez? Oh, oui, je me rappelle. Bien sûr. Oui. Ce jour-là, on avait 18 petits frères. Ah, super. Oui, alors on va des comptes, c'est des événements qu'on n'oublie pas. Il avait 5 ans, moi j'avais... On a 5 ans... Il est né en 35. Et moi j'ai fait ma communion en 35. J'avais 11 ans. Mais je suis venu à la Vogue à Saint-Jean, à pied. Et s'en allait à pied, 8 km. Et un jour, je leur racontais, c'était pour mercredi, la veille de Nandera, du mercredi. On avait été du cochon chez des cousins, et bien sûr à pied, et on revenait à pied. Et j'avais caché le chapeau de ma grand-mère pour le prendre, parce qu'elle ne voulait pas me le prêter. Alors j'avais pris le chapeau. Quand j'ai été plus loin dans la campagne, il faisait beaucoup de vent, ça sibérait, le chapeau est parti. Et j'ai perdu le chapeau. Je suis arrivée sans chapeau. Et puis le lendemain, j'ai une cousine qui venait à la messe de mercredi saint, descendre à trouver le chapeau. Elle a dit, mais ça c'est le chapeau de ma tante Louise. Et elle a amené le chapeau à la maison. Vous êtes fait gronder? Oui, bien sûr. Thank you.
a eu la radio pendant la guerre, au début de la guerre. On a eu la radio, que c'est un oncle, un frère de ma maman, qui nous a donné la sienne, qui en avait acheté une plus moderne, et puis il est parti à la guerre. Alors on a eu, j'ai eu la télé, la radio pendant tout le temps de la guerre. Vous écoutiez la musique un peu ? La musique et puis les événements, c'était à cette époque-là, la guerre, 39. C'est que c'est bien tout ça. Et oui, ouais. Vous avez vu les Allemands ? Oh, je pense bien que je les ai vus, je les ai côtoyés parce que je prenais le train pour aller à Artronac. Et ça faisait, ils faisaient le va-et-vient. Ouais. Un peu patois. Ouais. C'était la langue que vous utilisiez quand vous étiez aussi à la maison plus petit. Oui, on parlait patois, français patois. Et voilà. Là, il fait beau soleil. Hein. Je ne sais pas ce que c'est dire. Et du soleil d'or. Ouais. Ouais. Ah oui, ça c'est chez Emery. Et moi, je tenais la boucherie un peu dans cette rue-là. D'accord. Donc. Et ça, c'était un des hôtels les plus renommés à ce moment-là. Et l'avenue était pleine de commerçants, c'est toujours pareil. C'est la chapelle des pénitents, là. Il y avait beaucoup de voyageurs qui passaient par Saint-Jean. Ah oui, encore. Oui, il y avait des voyageurs. Je sais souvent que c'était plein chez lui. Quand on pensait les cafés, pour qui face à l'autre de la ville, je l'appellerais Chéreau, chez Pervé. Ça faisait deux cafés qui se tenaient. Et puis alors, c'était une épicerie chez Madame Bonnet. Et puis après, il y avait une autre épicerie chez Madame Perrache. Et puis après, c'était un autre café. Et puis il y avait un autre café. Chez Philibert, bien sûr, la place Carnot. Alors là, c'était un grand magasin. Lui faisait les tournées avec les bouteilles de gaz, pour livrer les bouteilles de gaz. Ah oui, c'était un grand, grand magasin. Là, vous y trouviez de tout. Avec M. Chapuis, il se faisait concurrence. Il y avait beaucoup plus éveillés, on mettait devant la porte, on papotait un peu, ou devant, assis sur un banc, ou n'importe. Assis. Plutôt nous, après, quand on était dans le commerce, on n'avait pas le temps. Ouais. On avait autre chose à faire que d'aller papoter. Mais enfin, c'était très agréable, il y avait une bonne ambiance dans tout le monde.
s'amuser dans la neige. Les skis qu'ils fabriquaient artisanalement. C'est là que je la connais, c'est quand il y avait le marché. J'aimais bien y aller, vous savez ce que je faisais? Je me cachais. Parce que vous savez, quand on est jeune, on n'a pas le droit d'y aller. Mais comme il y avait mon papa et mon grand-père, alors je me cachais derrière mon grand-père et je les écoutais discuter. Parce que maman, il ne parlait pas toi. Et j'aimais bien les entendre. C'était mon défaut de me cacher. Et Saint-Jean, c'était reconnu pour les crônes. Il y avait des jardiniers, il y avait tout. Ils en faisaient à peu près. Ils devaient en faire pas loin de. Une tonne par mois. Ah ouais. Oui. Il faut les nettoyer. Alors, non, mais mon mari les ramassait, les amenait à la maison. Moi, il fallait que je m'occupe de payer les jardiniers. Et puis il fallait les emballer. Il y en avait, parce qu'il est descendu à Saint-Étienne, ils avaient des jardiniers qui faisait les marchés à Chavanel et qu'il fallait récupérer les crônes. Il fallait faire des cagettes de 5 kilos et puis il fallait les emballer et les charger dans la voiture et les emmener. Des fois, il faisait deux voyages dans la nuit. Ah, et puis il faut les nettoyer, c'est long, hein. C'est Oui, mais boulot, le crône. C'était les jardiniers qui les lavaient. Ils les lavaient, ils étaient propres quand ils nous les apportaient. Mais c'était un travail pénible pour eux aussi. Parce que quand il faisait froid, c'était des légumes qui étaient éclatants. Tu as commencé à la Toussaint. Ouais, c'est des légumes d'hiver. Et oui, pour Noël. C'était un légume très recherché pour Noël. Ils mettaient bien les blouses. Mon mari, au début, il avait bien une blouse, après ils les ont enlevées. Mais au début, il avait une blouse pour aller au marché. Oui. Ouais. Et puis, au début aussi, comme M. Charan nous racontait, qu'ils n'avaient pas de carnet de chèque, alors le portefeuille était bien gonflé. Ils payaient tout en liquide. Il n'y avait pas de carnet de chèque. J'ai fait. Parce que je travaillais un samedi sur deux, et le samedi, on faisait le marché des veaux. Il y avait 400 veaux à cette époque. Enfin, à la place Victoire. Hein. Ouais.
C'était Yssingeau et son passé, un documentaire signé Lapi Productions. Je tiens à remercier très chaleureusement les résidents du centre hospitalier Jacques Barrault d'Yssingeau qui ont participé à cette émission. Elena, Ninette, François, Germaine, Mélina, Anna, Louise, Marcel, Janine et Maria, un grand merci pour votre gentillesse et de nous avoir fait partager des moments de vos vies. Un grand merci à Madame Tourneur, directrice du centre hospitalier, ainsi qu'à toute l'équipe de direction pour nous avoir fait confiance dans la réalisation de ce documentaire. Un grand merci également aux animatrices Isabelle et Valérie pour leur très bonne organisation et leur sympathie. Merci à CJ qui nous a beaucoup aidé lors du tournage et un grand merci à Amandine qui a réalisé l'ensemble des interviews de cette émission. Je tiens à remercier également les archives départementales et la médiathèque d'Yssingeau pour leur aide et prêt de photos et d'informations. Un grand merci à toutes les personnes qui nous ont fourni des photos et des vidéos dont le nom s'affichera à l'écran en fin d'émission. Pour terminer, je voulais vous citer quelques liens pour les passionnés de notre région. Tout d'abord, sachez que sur le site de l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel, vous pouvez consulter une vidéo sur les journées forestières du Massif Central. C'était en 1935 et vous pourrez y voir un court passage dans le centre-ville d'Yssingeau. Je vous conseille également d'aller consulter la page Facebook Haute-Loire où chaque jour des passionnés proposent des photos sur notre département. Vous pouvez également aller consulter le site de Papou Poustache dont le site s'affiche à l'écran. Il réalise de très très beaux reportages sur notre région. Coq en stock, c'est terminé pour aujourd'hui. N'hésitez pas à partager cette vidéo et à laisser vos commentaires. Vous pouvez également aller consulter les anciennes émissions en allant sur le site de YouTube et taper dans le moteur de recherche Fred Olagne. Coq en stock reviendra à l'automne. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao !